Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec ce jeu de respiration en conscience dans le cœur qui nous vient de Serbie. C'est une amie, Marija, qui partage avec nous les jeux de respiration qu'elle fait avec des enfants de son entourage. Et son grand rêve, c'est de pouvoir offrir et partager ces jeux de respiration dans tous les pays des Balkans, donc dans tous les pays de l'Europe de l'Est. Et donc voilà, aujourd'hui, grand cadeau d'amitié, grand cadeau d'amour, grand cadeau de soutien mutuel, car vous le verrez après la vidéo, après l'exemple, la démonstration de ce jeu tutoriel complet, eh bien, vous verrez des exemples d'enfants et de familles qui font ces jeux de respiration, ce jeu de respiration que personnellement j'appelle la montagne. C'est un jeu qu'on avait créé avec des enfants de Belgique et qui a peut-être été recréé avec les enfants qui entourent Marija. Parce que c'est la grande originalité de ces jeux, c'est cette faculté, c'est cette facilité de pouvoir les inventer, de pouvoir les en créer des variantes et de pouvoir y jouer à l'infini, avec un ou plusieurs partenaires, ou simplement pour soi, quand on en éprouve le besoin, pour se calmer, pour s'apaiser, pour se détendre. Alors, un des grands souhaits de Marija est justement de pouvoir partager et offrir ces jeux dans tous les pays d'Europe de l'Est. Et un des grands souhaits des enfants, c'est également que tous ces jeux soient pratiqués par tous les enfants dans toutes les écoles du monde. Ils nous demandent de transmettre ces jeux. Et c'est ce que je fais ici, par cet intermédiaire de cette vidéo. Et donc, vous pouvez trouver ici, en dessous de la vidéo, des accès à d'autres jeux. Ils sont mis en ligne librement et ils sont rassemblés dans un album international. Ils sont rassemblés également sur notre blog que vous trouvez ici aussi en dessous, l'adresse où vous trouvez, pardon, cette adresse en dessous de cette vidéo. Et nous vous invitons, afin d'aider et d'encourager tous ces enfants partout dans le monde et principalement ces centaines de milliers d'enfants qui agissent déjà avec nous dans des zones de conflits armés, dans des zones de grande précarité. Et il y a beaucoup d'enfants, comme je viens de vous le signaler, qui vivent dans des pays en zone de conflits armés. Nous avons des retours, nous avons des témoignages d'associations et d'équipes éducatives qui travaillent avec nous et qui nous expliquent à quel point ces jeux sont très très importants pour eux, sont vitaux, parce que ça permet justement de les aider à vivre, ça permet de les aider en tant que prévention au choc post-traumatique ou au choc évidemment émotionnel quand on entend des balles tirées, quand on entend des obus. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça a une puissance extraordinaire. Alors vraiment, ici aussi, en dessous de la vidéo, il y a un lien pour pouvoir aider, encourager, soutenir les enfants et recevoir tous les outils élaborés par le Centre international de recherche et de formation, tous les outils du programme international des arbres de paix et des ODD. En lien également, il y a la découverte de cette innovation mondiale pour devenir une ville ou un village créatif pour la paix, l'abondance et les ODD, et grande innovation mondiale, Dakar. Depuis le 25 juillet, a fait cette présentation aux autorités de la ville de Dakar et le projet est en cours et le projet avance. Là aussi, vous pouvez découvrir toutes ces avancées, ce reverdissement de la ville de Dakar, notamment avec la plantation de millions d'arbres fertilitaires. Donc là aussi, nous vous invitons à découvrir tout cela dans le blog qui se trouve
dont l'adresse, pardon, se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Et maintenant, eh bien, je vous invite, place à la musique, place au jeu de respiration de la montagne qui nous vient donc de Serbie, comme je vous l'ai exprimé en début de vidéo. Et je vous invite à vous installer confortablement, à poser les deux pieds bien à plat sur le sol et à commencer à respirer paisiblement. Laissez-vous aller, les sous-titres expliquent ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. C'est excessivement simple, c'est doux, c'est apaisant. C'est d'ailleurs, évidemment, un des grands objectifs de ces jeux, c'est de pouvoir se reconnecter à cet espace de paix intérieure. Quatre étapes. 1. On ancre nos racines profondément dans le sol, comme un arbre de paix. Et donc, on commence par respirer paisiblement en se concentrant sur ces racines qui s'enfoncent et qui vont se nourrir de toute cette joie, de toute cette paix dans le sol. Ensuite, commence le mouvement pour entrer dans la pleine conscience. Et puis, un moment de grande puissance, de grande intensité, on pose la colonne de paix sur le cœur et on se nourrit de pensées qui construisent, de pensées d'amour, de pensées de mieux-être. Pour enfin partager tout cet amour, partager toute cette joie avec le monde et accueillir tout cet amour qui nous vient de ces milliers d'enfants. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, je vous invite à vous installer et à commencer à respirer. La musique commence. Put your hand. And close.
Yes, there's a beautiful heart in your Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Un tout grand merci à vous. Bon entraînement, bon amusement. Et maintenant, je vous invite, comme vous venez de regarder cette vidéo, je vous invite à remettre la vidéo à son point de départ, juste avant la musique, et puis à expérimenter ce jeu, à le suivre et à respirer, comme vous l'avez entendu. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, et je pense que le son passe au-dessus de la musique. Donc, je vous invite vraiment à faire l'expérience de ce jeu. Un tout grand merci à vous de le partager, de le vivre et de le faire, de le faire, de le faire, de le faire. Cela fait tellement de bien. À très bientôt. Merci. And the world will live as one.